j'espère que vous allez bien. Nouveau Pourquoi Brico ici. Bon, malheureusement, sans Jordan, il s'est scindé en deux. Tomé photosynthèse ou une myco, ça a fait paf. Et voici Elodie et Stan. Bonjour. Wow, c'était un milieu est magnifique. Donc, du coup, grâce à la photosynthèse et la myco, vous avez donc du coup trois personnes ici pour la review du Pourquoi Brico qui est fantastique. N'oubliez pas du coup que vous avez un avis complètement objectif et normal. Comparé à eux deux, ça va être très intéressant. Oh, on commence. Moi, je suis gentil, moi. Ici par Prime One Studio qui a annoncé une précommande d'un Godzilla de 87 cm. Un Monster Masterpiece qui est fantastique, n'est-ce pas? Exactement. Donc on en parlait tout à l'heure par rapport au premier Godzilla qui est en précommande et qui n'est pas encore sorti. Il doit faire combien de différences de taille? On est à plus ou moins du sable au double. Plus ou moins. On passe de 50 cm à 87 cm, donc on est presque au sable. Trop bien. Voilà, l'autre était un décor, il sortait du coup avec la ville, lumineux, etc. Là, on passe à une version du coup gigantesque, ils appellent ça du coup statue Giant Masterline Godzilla. Version normale à 3 100 €. Ouais, c'est Prime, c'est 3 100 €. Et version full light up à 3 400 €. Perso, moi, c'est pour la version light up que j'achèterais. Ça ne m'étonne pas. Moi, je trouve que 300 € de différence pour le light up, c'est un peu beaucoup. Mais bon, après, on m'a dit que. Bah pour 87... J'étais difficile alors. Ouais, pour 87 centimes de résine, il faut bien un peu de LED quand même. Ouais, c'est ça. C'est ça qui va conduire le prix, parce que si t'as vraiment toute la... Si toute la colonne s'allume, et la gueule, etc. Et les yeux. Tout s'allume en fait. Ouais, ça va être... Non, mais ça va être super. J'ai hâte de le voir allumé, mais c'est vrai que ça, quitte à choisir les deux, je préfère prendre la version normale, parce qu'au final, bah, je l'allumerai pas forcément. Quand tu mets 3 100 €, t'es pas à 300 € près. Bref. Ouais, allons. Oui, non, mais après ouais, j'ai quand même hâte de le voir lumineux, parce que bon... C'est ah non, classe. Lumineux, il va jeter sa mère. Ensuite, suite à la sortie de Doctor Strange Multiverse of Madness, on a eu Doctor Strange Hot Toys et, comme ils ont teasé, on a une magnifique... Scarlet Witch. Exactement. Forcément, un va pas sur l'autre. Ouais, c'est ça. Version régulière, à 369,90. Ce gars est cool pour ceux qui veulent vraiment pas commencer à avoir des... Plein d'accessoires. Plein d'accessoires, etc. et qui veulent payer un peu moins cher. Très bien faite. Costume, du coup, qu'on retrouve, c'est la même que Wanda et Vision, mais cette fois-ci avec les manches. Bah, genre, moi j'aime celle sans manche. Une question de goût. Moi, justement, je préfère celle avec la manche. Ça lui donne un petit, je sais pas. Pour ça, en tout cas, qu'avait raté la première. C'est ça, ouais. Et pour 20 € plus cher, vous avez la version DX qui, du coup, aura à son arrière toute cette émanation d'énergie qui semble super cool, mais pretty sorry. Je sais pas, moi j'ai toujours peur quand c'est des grands. Cercles. Pas forcément des cercles, mais des grands trucs en plastique comme ça. Chez Otoy, je trouve que ça a tendance à faire un peu cheap. Mais après, à voir quand ce sera sorti, voir ce que ça va donner. Il y aura quand même beaucoup plus d'accessoires, donc beaucoup plus de manières de le mettre en pause, tout simplement. Ah ouais, parce que c'est une hauteuse, je rappelle. Là, vous avez pu voir, on peut carrément mettre ses jambes croisées comme dans le film. Je l'avais déjà fait avec Doctor Strange à l'époque, avec le vieux Doctor Strange. Avec le vieux ? Ouais. Oh, bah, super sympa, il y a déjà tout ça. Ça va rendre bien, je crois. Alors, Stan, comme tu sais, on a un beau rayon Hot Toys qui prend beaucoup de place. On a un beau Biker's Hood là avec une grosse moto. Et Hot Toys s'est dit, eh bien, ceux qui seront des clones noirs vont être contents. Ils vont proposer pas un, mais deux barques speeder, qui sont du coup des motos des clones. Super cool, même si c'est une annonce qui vient un peu de nulle part. Et qui complète une collection qui prend du temps à sortir. Il faut savoir qu'on a déjà eu le Saxonium clone, le Coruscant du Coon Guard. On vient d'avoir Captain Rex. Ahsoka est pas encore sorti. On attendait Anakin sur speeder, Anakin normal. On attend... truc beaucoup pas mal de clones et là sort un truc fantastique que bah, nous en tant que fans de clones noirs on est super contents mais c'est un peu salaud. Pourquoi ici du coup la moto qui fait donc du coup si on colle sur l'autre on est plus ou moins à 40 cm plus ou moins c'est un peu plus long. Donc 40-50 cm de moto avec un personnage chaque fois compris dans la version normale c'est Apo donc le commandeur Apo qui est un commandeur assez demandé dans les fans de Star Wars mais qui est exclusif au pack, vous pouvez pas l'acheter séparément, on s'attendait que ça soit dommage. Personnage, moto, etc. C'est cool, parce que du coup comme ça il est avec le Bark Speeder, mais c'est pas cool parce que ça te force à acheter la moto, déjà tout le monde n'a pas les moyens de mettre 679,90 € dans un pack avec un speeder, mais en plus de ça il y a des gens que les véhicules n'intéressent pas. Ils n'intéressent pas, ils n'ont pas la place. Juste envie d'avoir le personnage, juste la place. C'est vrai qu'il est chouette, mais ouais, j'aurais préféré juste voir le personnage quand même sur le côté. Voilà. Ou alors qu'ils fassent comme les scouts, ils te font les deux. Ouais, c'est ça. Tu choisis. C'est ça qui est bizarre avec là, ils ont... celui avec la moto. Ouais, ils ont choisi le fait de faire directement un pack pour un peu forcer l'achat. Moi perso je trouve fantastique mais pour les collectionneurs ils vont devoir acheter les deux parce que le premier du coup c'est Commander Apo avec le Bark Speeder, le deuxième c'est le Bark Speeder avec un Clone Trooper mais un Clone Trooper spécifique c'est le Clone Trooper qui va sur le Bark Speeder, c'est même pas encore les Bark Speeder Bike donc parce qu'il y a deux types de clones qui sont avec un casque différent mais celui-là non seulement c'est un clone exclusif mais pour 779 € vous avez un sidecar. Le rêve de toute personne de se balader en biker scoot avec un sidecar. Donc pour 100 € de plus, vous avez un sidecar. Ouais, pour 100 € plus ou moins de plus, ouais. Ah ouais, parce que franchement, mais encore une fois, le clone qui est là est exclusif au pack. Donc moi je me dis, on disait bah cool, va acheter soit de la version normale ou sidecar, c'est la même chose. Et donc d'en plus,
Le Commander, donc c'est quand même le personnage, il est moins cher, mais le clone, qui est juste fantassin, est 100€ plus cher si tu veux l'avoir dans ta collection. Mais il y a 7 cartes, il y a la grosse boule à côté. Mais du coup, t'es obligé de prendre les deux quand même. Bah ouais, parce que comme ça, t'as deux clones différents. Ouais, mais voilà. Si tu es complétiste, oui. Tu dois mais prendre réellement, les deux. Moi, je veux dire, c'est... Toi, tu vas prendre les deux parce que t'es un pigeon, on sait bien. Ouais, à fond, ouais. Et pour finir, dans le teasing que vous pouvez voir ici, ils ont même monté un ATRT, donc c'est un bipode républicain qui avec un autre clone différent. Donc c'est exactement, ils ont utilisé 3 clones et 3 véhicules d'un seul coup, alors que ça fait genre 60 ans qu'on attend le Starfighter jaune de l'épisode 3 d'Anakin, le Faucon Millennium là, et le cockpit, ou même un T-Fighter pilote taille 1/6. Oh, ouais. Il faudrait qu'il fasse Anakin épisode 1 dans son vaisseau. Dans le... Pour la course de... Ouais. Ouais. Bah, ce serait beaucoup trop bien. Ce serait stylé, mais bonjour, je prends 3 plans de travail pour une nationalisation. Ouais, l'exposition serait énorme, mais au final, dans une boîte, t'as 2 tubes, la nacelle et un gamin à 6ème de cette taille-là. En vrai, la boîte, elle fait la taille d'autre taille. La boîte, ça devrait aller, mais c'est l'exposition. Ah ouais, l'expo, tu mets ça directement en l'air, mais ah ça ouais, mais après, moi, je donne les idées, les joueurs se démerdent pour exposer, c'est pas un problème. Hein. Je travaille pas chez Hot Toys, monsieur. Alors, comme vous doutez bien, on en fera une vidéo, du coup, la semaine prochaine par rapport à Star Wars Célébration qui a annoncé énormément de choses. Et qui n'est pas fini, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vidéo spéciale Star Célébration pour l'instant. Là, on a déjà, sincèrement, une 50aine de photos minimum, donc ça va en chier. Ceux qui achètent du Hasbro sont dans la merde. Ou du Hasbro, du Hot Toys, du Sideshow, tout ce que vous voulez. Ici, vous pouvez voir du coup la précommande, mais insane, du taille réelle de C3PO qu'on a pu du coup attendre depuis très longtemps. Trop bien. C'est vrai qu'il y a combien d'années de différence entre la sortie de R2-D2 et C3PO? R2-D2, on l'a eu au magasin il y a 6-7 ans, je pense. Ouais, au moins. Et il était à 6-7 000€ plus ou moins. Ouais, et bien justement, pour 2 000€ plus cher plus ou moins, vous avez un C3PO taille réelle lumineux. On peut voir qu'on peut ouvrir son dos pour activer du coup les boutons. Il est légèrement articulé et il fait 1m88. Avec ça, trop bien. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que je pense que normalement. C'est trop bien, mais le prix fait un peu mal au cul. Ouais. Même alors, si c'est... ça les vaut totalement pour la finition. Franchement, des produits. Je suis pas trop d'accord. Et puis Star Wars, en taille réelle, c'est cher. Ouais. Ça a toujours été cher. Ça claque. Nous, on a eu R2-D2 ici, c'était une merveille. Sonore, lumineux, etc. Il était pas interactif, mais il y avait. Il était vraiment super beau. Et celui-là, je dirais qu'imaginer R2 sur un peu la gueule de l'autre, pour ça qu'on l'a pris. Eh bien, fantastique. Tu fais ma taille, quoi. Il va faire ma taille. C'est ça, mais il y a un socle avec, il y a un socle, on va dire, plus ou moins de 30-50 cm avec le Faucon Millennium, comme si c'était le Faucon Millennium, mais c'est un produit fantastique et qui fait du bien. On voit que Sideshow veut revenir sur des pièces de collection. En fait, Sideshow est resté dans une bonne qualité, en prenant format, low cost, ça, super cool. Enfin, low cost, c'est quand même 800 balles, mais voilà. Oui. Mais là, à l'époque, il y a 10 ans, c'était Tyrell, des gros trucs machin. Et là, il y en a qu'un bus Tyrell de Mandalorian. Super beau, mais malheureusement assez cher. Et là, on revient sur un taille réelle C3PO qui là va faire fureur, mais encore une fois, une clientèle qui a vraiment les moyens. C'est quand même 9 750€. Hein. Ouais, ça fait un peu mal maintenant. Ouais. C'est une grosse pièce, donc ça devrait. C'est un gros bébé. Ça passe quand même. Mais sincèrement, nous qui avons les deux, bah, j'avoue qu'on va craquer C3PO pour le magasin. C'est pas pour moi, malheureusement, mais voilà. Ah, il y a un moment, il va se perdre. Qui va le voler, mais voilà. Je me rappelle t'avoir dit ne clique pas sur commander, ne valide pas la commande. Ouais, c'est vrai, vous le verrez en vrai et on fera des visuels. Ensuite, comme vous le savez, grand fan de la 12e, j'ai pu faire Planet Fig récemment pour en parler. Ici, après Spider-Man, qu'on n'a pas présenté avec Jordan, et je ferai un son à pourquoi après complet là-dessus, vous avez du coup Spider-Man et Bouffon Vert qui vont sortir ensemble en Mesco à 12e en version Deluxe. 179,90€ pour Spider-Man les yeux lumineux avec un Bouffon Vert avec son planeur, visage démasqué, masqué, etc. Mais ça sera pour après Planet Fig, vous en parlerez plus profondément. Plus en détail. En détail, oui, c'est bizarre. Alors Stan, est-ce qu'il paraît que t'as un grand vendeur de parades dans la vie? Voilà. Collection, boîte, etc. Tout. Et on l'avait annoncé, Guzman et compagnie, du coup, va pas faire des parades normales à 49 ans, mais on va commencer à faire des... Des grandes. Bah, ça, je suis content, là, c'est la Lucie qui va de Fairy Tail qui a annoncé. À voir, parce que je m'attendais quand même à un truc avec un décor, un petit décor, parce que c'est quand même une grande. C'est 40 cm. 40 cm, c'est un machin comme ça, je veux bien, mais. C'est bien, on a entendu un petit décor. Toys, c'est 10 mais cm de plus. Je suis content qu'ils aient commencé par Fairy Tail, parce que c'est vrai que c'est une licence qui part bien. Mais j'ai bien vu, c'est un design unique, parce que j'ai pas vu de Fairy Tail Lucie comme ça en petit format. Non. Celle qu'on a ici, c'est celle de transformation avec ses clés, etc., avec ses habits un peu particulières. Et celle-là, je crois, je suis plus sûr, je crois que c'est celle de l'après 7 ans, après l'espèce de pause. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils promettent beaucoup, parce que Parade est vraiment une grosse force, c'est que c'est beaucoup de choix pour un prix moyen, entre 49 et 59, ça dépend un peu de la tendance. Et les nouvelles sont en train d'augmenter. Ça, c'est cool, et du coup, c'est vrai que ça fait une grande statue pas trop chère.
Pour un truc un peu grand, t'es pas obligé de taper des prix de fou. Ouais. Ça c'est cool. Mais du coup, à voir que ta vitrine va vachement s'agrandir. Ouais. Alors, comment par contre, très particulière, dans les fans de statues, on a ici du coup de chez Pop Culture Shock la statue de Deja Tauris. Ça me dirait tout, je connais pas du tout l'univers. C'est une statue un peu à la Lady Death, à la Vampirella, etc. Ouais, des femmes très, très belles et très charnelles qui sont mises en position. Mais est-ce que un ça peu... vient dans comics aussi? Je pense parce que oui, je... Vampirella, Lady Death, tout ça, ouais. c'est mais je pense que mais... oui, mais j'avoue que celle-là, ça me c'est un peu comme les livres de Luis Royo Estera, tu vois, t'as des livres avec des histoires sur des femmes qui sont très, très... badass et sensuelles. Voilà, c'est ça. Statue intéressante, en sachant que pour du Duatir, on est à 1600€, on reste dans des prix à la Prime, etc., ou du Duatir PCS, mais PCS... annonce du lourd. On a pu avoir des teasings avec un futur Thanos à la tierre, avec du Scorpion, enfin avec du Mortal Kombat. Avec Mortal Kombat, je m'attends à fond. Elle va péter. PCS en fait sont un peu plus calmes, mais ils ont annoncé également, tu vois, le dragon qu'on a présenté avec Jordan là, que j'ai acheté. Ils vont faire un dragon avec toutes les têtes. Le gros je dragon. Sais, j'ai vu. Sérieux? Un genre de King. Ça, c'est pas Gaïa, c'est le nom, c'est dans le jeu Dragon, c'est un nom spécifique. Ouais, mais PCS, encore une fois, montre que c'est une add-on à Sideshow, mais où ils veulent bien se lâcher en termes de taille, en termes de concept. Là, 90 cm pour une femme attachée à un poteau. Ouais, mais c'est pas. Franchement, c'est pas... dit comme ça, tu vends pas du... ça vend pas du rêve, hein, mais. C'est pas non plus la femme qui fait 90 cm, regarde ta. Ouais, mais c'est du attire. Là, elle fait au moins dans les. Au moins dans les 60 cm. Hein. C'est après, quelqu'un qui veut une gamme de personnages atypiques, qui ne viennent pas de licences ultra médiatiques comme Star Wars et autres, et qui veut quelque chose de plus sensuel, de plus. Je sais pas, plus sauvage, plus. Un peu à la Ressonja, tu vois. Putain, c'est bien dit. C'est bien dit. Non, c'est vrai que. C'est pas mal pour un truc comme sans licence, etc. C'est très niche, intéressant, mais je pense que ça peut vraiment avoir sa clientèle. Je peux le comprendre parce que ça va être une belle pièce. Très très belle pièce. Et pour finir, notre partenaire Tsume a lancé sa nouvelle Gikai. C'est là, sûrement la 800e qu'ils annoncent sans sortir une première. Il y en a marre. Comme vous le savez, on a parlé pour la Tana. Voilà. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. On a parlé avec Tsume, on a un peu dit le mécontentement. Vous vous doutez bien, ici on est réellement à la 20e précommande Gikai. Donc imaginez un peu l'argent engagé là-dedans. Voilà. Et on n'a toujours pas une seule en main, donc c'est à dire que là on commence toujours. Après, des gens l'ont vu au S3 au Kyodaniki, super content. Des gens ont leur sont reçus des gens fantômes, ils ont dit que c'était cool, mais j'ai jamais eu de gens qui m'ont montré. Des TikTokers, des YouTubeurs. Voilà, mais voilà. Des gens. Malgré tout, licence Fairy Tail, Erza, en full armure. Trop bien. Trop bien, exactement. Alors, malheureusement, on connaît pas Fairy Tail, il le dit non plus, mais de ce que Jordan et toi m'avaient dit, c'est vraiment une putain de statue. Celle-là, c'est l'armure qu'on a là, c'est un peu. Une des plus emblématiques, c'est l'espèce d'armure à 100 lames comme ça qu'il utilise encore assez bien souvent. C'est une des deux qu'il devait faire. C'était soit celle-là, soit comme on a eu la pop il y a pas longtemps, tu vois, celle avec le bandeau et le pantalon noir, pantalon rouge avec les flammes là qu'on a eu la pop il y a pas longtemps. C'est les deux tenues un peu plus emblématiques d'Erza, vu qu'elle se bat avec tout le temps des armures. C'est là ce que j'aime bien, on voit sur les photos, c'est qu'elle est très très développée, mais en même temps elle est dans le carré. T'as un carré du socle que les gens n'aiment pas forcément, mais les épées dépassent à peine du carré. Ils ont pas brandit les bras pour que ça dépasse, ils ont vraiment gardé ce. C'est une statue, qui va rester casable. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool parce que c'est vrai que cette armure-là, quand tu la vois dans le manga, t'as toutes les épées qui volent un peu dans son dos, etc. Ça fait bif, tu vois. Donc pour un truc un peu casable, c'est vrai que c'est pas mal. Et là, on a un budget 339,90€. Franchement, quand tu vois la photo, etc. Très propre. Courant 2023, encore une fois, donc mi-2024, ça serait pas mal. Et encore une fois, vous inquiétez pas, on est en train de faire pression pour avoir les premiers Gikai, même pas pour les vendre forcément directement. On a demandé des échantillons pour les présenter en vidéo pour rassurer les clients. Parce que Tsume se rend pas compte, ouais, ils font des grosses ventes parce que c'est Tsume, c'est une marque, mais merde, il y a un moment, il faut aussi sortir les produits pour que les gens aient une référence. Nous, on peut pas vendre des statues sans avoir. On a du Iron Studio, etc. On a du Tsume en grand format, on sait vendre du grand format Tsume, mais Gikai, c'est pas pareil. Puis ici, le gros problème avec les Gikai, c'est qu'ils avaient annoncé que ça sortirait très vite. Donc pour l'instant, c'est foutu. C'est avec les premières One Piece, c'est en retard. On devait les avoir début d'année, on est seulement à 3-4 mois de retard. Donc voilà. Ça va, mais pour moi, c'est ça, c'est 6 à 8 mois. Mais le problème du coup, C'est compliqué d'en parler quand tu sais pas. Parce que moi, j'en parle encore bien ici. Ikigai, Tsume, machin truc, parce que beaucoup de gens parlent de Tsume. Bah ouais. Ça va sortir. Ouais, ça sort plus ou moins à ça. Ouais, c'est ça. Le poids, c'est plus ou moins ça. On sait pas vraiment en parler, c'est vrai que c'est dommage. Maintenant, oui, c'est sûr que du grand format, c'est. Ouais, Tena, magnifique et tout. Ouais, c'est vrai qu'en grand format, tous les grands formats que j'ai vus, j'ai toujours été content. Donc, je vois pas pourquoi les plus petites seraient mauvaises. Mais.
Ouais, on sait bon, très bien qu'on va être fois, content. Ah oui, la qualité sera, juste mais le problème, c'est qu'il y a... principe. Et puis il y a des ouais. gens, du coup, que ça freine pour précoller nouvelles, parce que du coup, ils veulent d'abord voir la première. Ouais. Si la première sort, c'est Zoro, je pense, un des premiers. Zoro et Oden. Voilà, si les deux premières la sortent, ça va moi je suis sûre ça va convaincre tout le monde, parce que ça reste quand même Tsume, il y a une qualité de travail derrière. Après, on est pro Tsume, on n'est pas pro Tsume, on s'en fout, moi je suis middle, donc voilà. Ça mais, voilà. Et pro mais... mais... Waouh. Voiture jaune. Mais le problème, c'est que ça freine un peu les gens pour préco la suite, puisque du coup, bah... les premières sont pas là quoi. Même les vendeurs. Donc elles s'enchaînent un peu trop. En fait, elles s'enchaînent un peu ouais. trop pour une sortie qui sort pas assez vite par rapport au nombre de précommandes. Ouais, c'est ça qui est embêtant, parce que du coup, ça ne donne pas envie de précommander le reste. Il faut pas oublier aussi que. Mais il faut pas oublier qu'à chaque fois aussi, à chaque précommande, on a... nous en tant que vendeur, on doit annoncer de l'argent. Donc à chaque fois, on bloque de la trésorerie. Mais là, après Vaikigai, la trésorerie, si on calcule, on se dit, oh, je pourrais m'acheter une nouvelle Tesla, ça serait pas mal quoi. Ouais, ça donc, ça aussi, ils se rendent pas compte que nous, là, on l'argent, s'il est bloqué. Tu sais combien c'est une Tesla ? 20 000 euros ? Non. Tu rajoutes un de 120 000 euros ? Non, c'est pas cher, on va dire. Ça dépend lesquels, parce que ouais, si tu prends le modèle, ouais, d'accord, mais. Ah ouais, ouf, tu m'as. Du coup, madame a des goûts. Eh, hey, t'achètes une Tesla, tu vas à fond, ouais, tu prends tu pas la version. Tu veux du caviar avec ta Tesla et bah, du champagne. Vu le prix que ça coûte, ils ont intérêt à donner le caviar et le champagne quand tu vas t'acheter une Tesla. Hein. Waouh! Waouh! Wow. En tout cas, merci à vous tous. N'hésitez pas du coup à nous poser des questions si vous en avez pour tout ce qui était mis en précommande. Encore une fois, pourquoi préco qui vous sert du coup à vous annoncer ce qui va sortir et surtout ce qui peut vous aiguiller à la prochaine précommande. On a un showroom énorme. Si vous avez des questions sur Tsume, Prime, Mana, sur Opus Studio, qu'est-ce que vous voulez, tout est exposé et on est là avec notre équipe pour vous servir. On vous aime beaucoup et on vous dit allez préco! Bientôt. Putain, ils ont pas. Ça allez préco, bordel allez de merde! Allez préco! C'est le maïdou à 9h, c'est... Vous cassez les bonbons, hein. Apprenez votre texte. Oh, ça va. Ouais, c'était ma première fois. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.